téléphone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Fort Padel de Strasbourg pour la deuxième journée des championnats de France de Padel 2024. Hier nous avons eu les 16e de finale et les 8e qui ont livré leur verdict. Ça s'est terminé hier soir vers 21h avec une grosse surprise chez les messieurs, l'élimination de Jérôme Inzerillo qui avait l'air diminué quand même. Et de Manuel Vives par Nathan Courin et Thomas Seux, deux jeunes joueurs qui, sur les derniers tournois, étaient passés pas loin de grosses victoires. Et là, ben voilà, ils la font tomber au meilleur des moments au championnat de France. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, parce qu'on va avoir une très très grosse journée. On va commencer par un quart de finale féminin que je vous présenterai tout à l'heure, suivi de deux quarts messieurs. Et enfin cet après-midi, la grande après-midi. Alors là, en plus je crois qu'il fait pas beau dans toute la France là. On s'installe, on prend une petite boisson, deux ou trois encas parce qu'il va falloir tenir l'après-midi et on va avoir quatre matchs d'affilée. Les quatre demi-finales seront sur cette piste centrale du Fort Padel de Strasbourg. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le match qui va commencer à 8h45, un peu plus tôt que d'habitude. Moi, je vous retrouve dans quelques petites secondes pour le début de ce match. A tout de suite. Thank you.
Et bonjour à toutes et à tous, rebonjour ceux qui venaient d'arriver. Les quatre joueuses sont sur la piste, elles vont commencer l'échauffement. Et on va pouvoir lancer cette journée avec ce quart de finale féminin du haut du tableau. Avec deux équipes qui étaient tête de série. Alors non, une seule tête de série. Hein. Déborah Alquier et Laura Buteau qui sont au fond étaient entre la tête de série 9 et la tête de série 16. Elles ont battu la tête de série 8 hier. Alexis Duchesne et Charline Tonda. Donc, je vais vous donner le parcours des deux équipes. On va commencer par les moins bien classées. Laura Buteau et Déborah Alquier, équipe qualifiée d'office, qui s'est sortie de son premier tour assez difficile. 6-2, 7-6 face à Stéphie Mera et Marie Rondeau. Et ensuite, au deuxième tour, elles ont battu la tête de série numéro 8, Alexis Duchesne et Charline Tonda, 7-5, 6-4. L'équipe tête de série sur la piste, vous les connaissez très bien. Elles sont tête de série numéro 4. À gauche, c'est Charlotte Soubrier. À droite, Lucille Potier pour parvenir jusque-là. Elles ont battu d'abord Amanda Pestre-Grange et Lucie Vichier, 6-1, 6-0. Et enfin, Emilienne Lambrecht et Géraldine Sorel, 6-1, 6-1. Elles ont perdu 3 jeux en 2 matchs. Elles sont en très grande forme. Et elles ont envie d'économiser leur force avant d'aller peut-être en demi. Si la logique est respectée, affronter Jessica Gignier et Carla Touli qui affrontent sur une autre piste, la piste numéro 2 d'ailleurs que vous pouvez suivre sur Padel Magazine, qui affrontent Louise Bahurel et Camille Sirex. Et Siméon, oui, j'ai passé une très bonne nuit. Je suis très en forme. Alors l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 7 matchs sur la piste centrale au lieu de 8 hier. Mais bon, il risque d'y avoir des matchs un peu plus longs, donc je pense que ça va s'équilibrer en temps de jeu. Ça va finir vers 20h30, 21h comme d'habitude. Et ensuite, il y aura la soirée des joueuses et des joueurs. Voilà, un programme chargé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le tableau, je vous l'incrusterai tout à l'heure pour que vous l'ayez bien en tête. Donc les quarts de finale féminins. Du haut
en bas du tableau, Jessica Gignier, Barbier, Carla Touli face à Louise Bahurel et Camille Sirex. Celui qu'on a sous les yeux, Lucille Potier et Charlotte Soubrier face à Déborah Alquier et Laura Buteau. Ensuite, on descend. Et la petite surprise, et la belle surprise d'ailleurs, les Réunionnaises, Elisa Guiraud et Anna Ouaro, qui sont en quart de finale en partant de la 17e. C'est une équipe entre la 17e et la 32e place. Donc, c'est très très belle surprise de les retrouver là dans le top 8. Elles joueront la tête de série numéro 3, Fiona Ligi et Tiffany Faisoufan. Et enfin, en bas du tableau, on les a vus hier jouer, les deux, Wendy Barsotti et Elodie Invernon, qui affronteront les grandes favorites de ces championnats de France, Alix Colombon et Léa Godalier. Et bien sûr qu'on est là, Clément, on va pas rater un quart de finale féminin des championnats de France. Allez, je vous ai présenté le tableau féminin. Maintenant, on va parler du programme de cette journée. Donc, on commence avec ce match. On aura ensuite deux quarts de finale masculins. Et cela, ça va être explosif. D'abord, la tête de série numéro 2, Joanne Bergeron, Maxime Moreau, face aux jeunes, aux pépites du padel français, à l'avenir du padel français, Johan Borona et Timéo Fontenay, qui vont avoir un gros coup à jouer. Là, c'est le moment pour eux. C'est peut-être le jour de se révéler vraiment au grand public, de gagner ce match, aller en demi-finale, ça serait incroyable. Ils vont avoir affaire quand même au top niveau français face à eux, Max Moreau et Joanne Bergeron. Max Moreau, je pense qu'il n'a jamais fait de finale en France. Et cette année, vraiment, les planètes sont alignées pour qu'il y aille. Donc, il ne va pas vouloir laisser passer sa chance. Et deuxième quart de finale masculin, on les a vus jouer hier, Arthur Hugounin et Pierre Vincent, qui ont créé la surprise en battant Nicolas Rouanet et Norman Sanchez, qui affronteront les favoris, les doubles tenants du titre, Sébastien Blanquet et Thomas Legge. Et tout ça, vous le verrez sur Padelmag TV. Ensuite, il y aura peut-être une petite pause, mais pas sûr. Et on enchaînera sur les demi-finales dames. Les deux demi-finales dames d'affilée. Et enfin, les deux demi-finales messieurs. Un programme royal. Vous aurez tout aujourd'hui sur Padelmag TV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez suivre aussi l'autre quart de finale qui est filmé. Le quart de finale de la même partie de tableau. Donc les deux équipes pourraient se rencontrer. Se rencontreront les deux équipes vainqueurs en demi cet après-midi en première rotation. Yann Oradou, malheureusement, il s'est incliné au premier tour. Yann Oradou battu avec son partenaire. Alors, j'essaie de les trouver dans le tableau. Oradou, Sichez, où sont-ils? Voilà, Yann Oradou et Romain Sichez battu par Nicolas Rouanet et Norman Sanchez. Un très gros tirage au sort. Tiré la tête de série 6, ils ont perdu 7-6, 6-4. Et demain, voilà, j'ai eu l'info, demain pour la finale. Donc le planning de demain, c'est finale padel fauteuil, suivi de la finale féminine. Et enfin la finale masculine. Les matchs seront commentés par Émilie Loi et Alexia de Chaume-Balleret.
Voilà. Là, je pense que j'ai été le plus complet possible. Et maintenant, place au jeu, place au sportif. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'est un P3000, les championnats de France. Donc au niveau classement, c'est tellement important de bien faire. Déjà, les équipes en quart ont marqué énormément de points. Alors si vous avez la chance d'aller en demi ou plus loin. Les joueuses sont rentrées sur le terrain, les favorites de ce match. C'est Lucille Potier qui va servir. Quart de finale des championnats de France 2024. Féminin, c'est parti. Très très bien, première balle qu'elle touche après le service. Et c'est une volée gagnante de revers. Alors mon prono sur ce match, je pense qu'il y a quand même un gros écart entre les deux équipes. Charlotte Soubrier, Lucille Potier, c'est l'équipe de France. C'est vraiment du très très haut niveau. Déborah Alquier et Laura Buteau, c'est des joueuses qui sont même pas dans les 8 premières têtes de série. Donc au niveau filles, il y a quand même un gros écart, mais on va voir. Hein. Laura Buteau qui est quasiment professionnelle, elle s'entraîne au Portugal, qui s'entraîne énormément, qui a envie, elle, d'arriver dans ce top 5. Je lisais un article, une interview d'elle, son objectif c'est rentrer dans le top 5 et dans le top 100 mondial.
Pour l'instant, elle en est encore loin, mais voilà, elle se donne les moyens. Elle s'entraîne tous les jours pour son rêve. Et Déborah Alquier, c'est une joueuse très expérimentée qui est toujours dans ses huitièmes, dans ses quarts. Être un peu de mal à passer le cap au-dessus. Bon, Lucille qui a raté son smash, qui a terminé dans la grille. Mais pour l'instant, pas de danger. Elle va l'avoir. Charlotte, une des meilleures défenseurs. Comme ça sur les contres. Ouais, c'est très bien joué. Très très bien joué de la part de Charlotte. Elle a fait tout le travail. Allez, on va vous mettre à la liste des joueuses présentes dans ce championnat de France. Et c'est Déborah Alquier qui va servir. Très important, hein, les premiers jeux de service. Ouh, alors là, se précipite Laura, très grande, hein, qui va essayer de prendre énormément de place. Regardez la différence de taille avec sa partenaire. C'est elle qui va faire le jeu en l'air. Mais il ne faut pas qu'elle se précipite parce qu'elle a deux joueuses tellement fortes en défense. Bon, super retour. Malheureusement, elle a forcé derrière. Déborah Alquier. 0-30. Attention, premier point chaud. Et 0-40. 3 balles de break pour entamer ce match. Ouais, c'est défendu. Quelle belle défense de Lucille. Oh, la mal choisie, mal parlé aussi. Hein. Charlotte, elle lui a pas annoncé que ça vient. Que ça venait, pardon. 15-40. Encore deux balles de break à sauver. Mais c'est bien joué. 30-40. Et c'est bien joué ça, hein. Super retour de Charlotte, mais après elle a avancé un peu vite. Elle s'est fait punir. 3 balles de break effacées. S'en sort bien là. Alors que si vous voulez suivre le deuxième match, voilà, je vous mets le lien. Gignier Potier, Bahurel Sirex. Grosse faute là. Grosse faute, on revient égalité. Je vous mets aussi le lien vers tous les résultats. Vous l'aurez en haut du chat. Aïe aïe aïe, ça c'est fort. Hein. Nouvelle balle de un jeu partout. Thank you.
qu'il est beau ce lob tendu. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est un peu fort par contre. Hein. Il y a un jeu partout malgré 3 balles de break. N'ont pas réussi à convertir leurs occasions. Charlotte Soubrier, Lucille Potier. Quelle merveille cette volée de revers de Lucille Potier. Elle est belle cette balle. Hein. Très très bien bloquée de la part de Déborah. Et en plus elle arrive à l'endormir. Alors que là Laura Buteau vient de lui dire on colle, on colle. Bon, ça c'est pas bon par contre, ça c'est pas bon du tout. Elle doit pas lober là-dessus. 15 à. Voilà, Lucille, c'est une merveille de technique. Si vous voulez regarder du panel parfait, regardez Lucille Potier. On rappelle qu'elle avait gagné un P500 masculin avec François Autier face à énormément de joueurs du top 100. Elle l'a touché, dommage. Parce que là, elle allait pouvoir contrer, c'était pas un très bon match. 45. Pas d'occasion pour l'instant. Au retour pour Déborah et Laura. Ah, elle se précipite là, elle veut rejouer sur Charlotte. Et malheureusement, grosse faute de Laura. Deux jeux à 1. Et on va voir les entraîneurs sur le banc. D'abord Nicolas Trancard qu'on a vu hier sur la piste. Du côté de Charlotte et Lucille. Enfin, j'arrive pas à voir qui est là-bas avec... Est-ce que vous savez qui est le coach de Laura Buteau et Déborah Alquier? Si vous pouvez me le dire, n'hésitez pas. Oui, oui, Lucille, c'est une ancienne joueuse de tennis. Une ancienne très bonne joueuse de tennis. Toutes sur la piste ont été des bonnes joueuses de tennis, bien évidemment. Elle a été zéro, voilà, Lucille Potier. Côté de Laura et de Déborah, c'est Alex Prévert, le coach. Et deux jeux à 1, service Laura Buteau. Attention, ça ressort beaucoup. Ah, Lucille, elle n'a pas été très agressive. Voilà. La grande plaque. Chanclé Tasso de Charlotte, 0-30. Comme dans le premier jeu, elle met tout de suite la pression. Voilà,
Ouais, trop neutre là, ce revers à deux mains, 0-40. Comme dans le premier jeu, 3 balles de break consécutives, elles s'en sont sorties sur le premier jeu de service, mais est-ce qu'elles vont le faire deux fois? C'est dur hein, de repartir de 0-40. Ça, c'est bien joué. Attention, là, elles avancent. Elles sont jamais aussi dangereuses que quand elles avancent comme ça. Oh, Charlotte qui s'était écartée un peu. Quatrième balle de break sauvée. Le clan toulousain qui me fait calme-toi. Oh, cinquième balle de break sauvée. Parce qu'on est parti pour un record. C'est beau ça avec la latérale. La Lucille qui enchaîne les lobes tendus. Bien parlé de la part de Déborah. Attention à la barada de Charlotte. Elle est restée un peu loin. Très bien contrôlée. Oh, quelle volée là de Déborah. Ça ressort beaucoup trop, Déborah. Et ça y est, la sixième occasion et la bonne break pour Charlotte et Lucille. Ah, ça semblait inexorable, hein, mais sur les balles de break, elles étaient beaucoup plus compactes. Déborah et Laura, elles ont sauvé les cinq premières, mais pas la sixième. La tête de série numéro 4 de ce tableau s'envole dans cette première manche. Ah, dommage, elle ne l'a pas contrôlé. Ouais, bien servi. 30-0. Ah, elles sont vraiment sous pression hein, parce que sur leur jeu de service, elles sont tout le temps à 0-40. Et sur les jeux de retour, Laura et Déborah, elles n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Ouf. Le par 3 impossible à défendre. Et break confirmé tout de suite par un jeu blanc. Lucille Potier et Charlotte Soubrier qui mène 4-1 dans cette première manche. Et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Je vous rappelle le programme de cette journée. On aura en deuxième match le match un peu que tout le monde attend. Johan Borona et Timéo Fontenay, les deux pépites du padel français, les deux meilleurs jeunes qui s'entraînent maintenant à la Nox Academy en Espagne, qui vont affronter la tête de série numéro 2. Deux joueurs beaucoup plus expérimentés, Max Moreau, le nouveau papa, et Johan Bergeron, le coach de la All-In à Lyon. Et ça va valoir vraiment son pesant d'or, le match peut-être le plus équilibré de la journée. Et dernier match de la matinée, Arthur Gouning, Pierre-Vincent, les Bombardiers. Ils vont jouer dans des conditions un peu moins chaudes qu'hier, hein, parce que leurs matchs vont autant sortir. Et surtout, ils vont affronter Thomas Legge et Bastien Blanquet, les doubles champions de France en titre. Qui sont de très très bons défenseurs, des joueurs qui sortent très bien. Donc on va voir ça. Ça va être aussi très intéressant à suivre. Et à la fin de ces quarts de finale, on aura l'enchaînement de toutes les demi-finales. D'abord les demi-finales féminines. On retrouvera la vainqueur de ce match face à la vainqueur du match
que vous pouvez suivre sur l'autre piste de Padelmag. Jessica Gigné, Lucille, Jessica Gigné et Carla Touli qui affrontent Louise Bayrel et Camille Sirex. Il y a 2-0 pour l'instant pour la tête de série numéro 2. Et vous pouvez lancer les deux lives. Hein. Si vous êtes fan de padel féminin, vous pouvez mettre les deux pages côte à côte. Petite faute en retour là pour Lucille. Ouais, le coach Alex Prévert qui encourage ses joueuses. C'est la première fois qu'elles sont devant dans un jeu de service pour commencer le jeu. Ouh là là. Ouais, Déborah, là, je sais pas pourquoi elle veut changer de zone, c'est tellement dur. On doit rester là où elle est. 15 à. Quel super retour. Alors la volée est magnifique. Hein. Mais par contre, quel retour. Elle doit faire mieux que ça, Lucille. Charlotte qui s'essaye. Et malheureusement, Laura qui rate la balle. 30 à. J'ai un doute sur le 30 à, c'est pas 15-40. Est-ce que je me serais pas trompé? On va le voir très vite. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Charlotte qui avance. Eh oui, c'était bien ça, c'était 15-40. Je m'étais trompé sur le deuxième point. Et nouveau break, 5 jeux à 1. Après 18 minutes de jeu déjà, dos au mur, Laura et Déborah. Ouais, elle. Pas pris la bonne vitre pour Déborah, 15-0. Est-ce qu'il y a un pas avant pour le deuxième match? Parce que là, je trouve que ça va très vite. Pas avant 10h. Le deuxième match, bon, après, il est 9h25. Oh, elle est agressive, là. Très bien défendue de la part de Laura. Oh, Lucille qui envoie un gros match. Ça, c'est aussi son point fort hein, pour une joueuse de droite. Elle est capable de taper très fort. Lucille, maintenant membre de l'équipe de France depuis pas mal d'années. Ouais, j'adore ce style de jeu. En plus, c'est une joueuse très très sympa. Toujours souriante. Ouais, c'était un peu précipité, mais ça a surpris Charlotte et Lucille. Toujours à 2 points du set, notre tête de série 4. Et on est à 2 balles de set. 19 minutes de jeu. 2 balles de set. Il faut se dire que le jeu qu'elles ont gagné, en plus, Laura et Déborah, elles étaient à 0-40. Elle lâche sa main à gauche, Déborah là sur certains coups, Laura pardon. Et c'est fini pour cette première manche, 6 jeux à 1. C'est un peu le format qu'on attendait quand même. Hein. Il y a quand même un gros écart entre les deux équipes au niveau du classement. Et je vous rappelle que le jeu qu'elles ont gagné, elles étaient menées 0-40. Voilà la tête de série numéro 4 qui impose son rythme. Elles ont envie d'aller la jouer cette demi-finale. Face à, on va dire, à la moins pire des deux équipes qu'elles peuvent rencontrer avec leur classement. Parce que bon, choisir entre Carla Touli, Jessica Gigné d'un côté ou Alix Colombon, Léa Godalier de l'autre, c'est quand même pas une partie de plaisir ni d'un côté ni de l'autre. Mais on va dire que Alix et Léa sont quand même
un peu au-dessus. Je vais aller faire un petit tour sur l'autre piste. 2-1, break pour Jessica Gignier, Carla Touli. Dans l'autre quart de finale du haut du tableau. Prend ce match, début du deuxième set, il va falloir trouver des solutions pour Laura et Déborah. Allez, elles partent devant cette Barada qui est restée dans la bande du filet. Qu'est-ce que c'est bien joué. Elle arrive à lober en ligne et derrière avancer, rentrer dans la trajectoire de la balle. 15 à. Elle s'excuse, aucun problème. Elle l'a surprise avec ce smash rapide. S'est servi de son envergure. Mais derrière, Lucille a continué le travail en passant au centre. 30 à. Elles n'ont pas eu un jeu de service tranquille pour l'instant. Est-ce qu'on va y arriver là? Qu'est-ce que c'est bien joué là? Ouais, c'est magnifique. Magnifique cette Barada de Charlotte Soubrier qui a transpercé la défense adverse. Déjà une balle de break d'entrée à sauver pour Laura et Déborah. Oh, petite vitre fraîche qui descend. En même temps, la balle était vraiment très lente. Là, Lucille, elle a pris un risque. Hein. Les balles qui sont lentes comme ça, avec un peu d'effet, ça peut glisser. Ouais, très bien, là, le superviseur qui annonce au photographe de ne pas rester dans l'air de jeu. Bien évidemment, ça sort beaucoup moins chez les filles. Mais attention quand même de ne pas gêner. Nouvelle balle de break après cette faute de Déborah Alquier. Oh, attention, là elle va ressortir beaucoup. Mais elle est restée au fond. Laura. Et malheureusement, elle ne retient pas cette balle. Un jeu à zéro. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Pour Déborah et Laura. Ça va vite, hein. Ça va vite. Elles n'ont pas envie de perdre de temps.
Charlotte et Lucille. Faudrait pas que ça défile hein, complètement. En quart de finale des championnats de France, elles ont éliminé une tête de série hier. Faut qu'elles en profitent, qu'elles se relâchent. Ah, bizarre là. Il se met dans le filet là, Laura. À toi, Samantha. Ouais, trop tendre cette volée, beaucoup trop tendre. Break confirmé. 2-0, il va falloir trouver des solutions très très vite. Sinon, je crains que ça n'en soit terminé du parcours de Déborah et de Laura. Et Laura qui, en plus d'être joueuse quasi pro, hein, elle a une société de réparation de raquettes, Black Bee Padel, qui répare vos raquettes. Oh, que c'est bien joué. Ouh là 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 là. Alors là, elles ont peut-être eu un moment de un peu moins bien au début, c'était plus tendu, mais là elles sont relâchées. Et là c'est très très dur. Attention, celle-là elle va ressortir beaucoup. Et là, bien contré. Elle gagne ce point. Quinza. Allez, vraiment, si elle ne gagne pas ce jeu, ça va être ultra compliqué pour elle. Vraiment presque le jeu de la dernière chance. Attention, attention. Laura qui reste au fond. Ouais, qui reste au fond, mais malheureusement se fait prendre par cette volée. 15-30. Ah, très bien servi là de la part de Déborah. Quelle défense. Et grosse match, très grosse match de Laura. Charlotte, elle aurait dû avancer là. Elle en rigole, mauvais choix. Qu'elle lui aurait pas dit qu'elle servait au thé. Si. Mes skills de pour lire sur les lèvres augmentent. Oh, c'est magnifique. Magnifique, Charlotte, cette zone qu'elle arrive à trouver. Et de nouveau balle de break. Pour créer un trou, un gouffre qui serait très 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 dur à rejoindre. À combler plutôt qu'à rejoindre d'ailleurs. Allez, 30-40. Allez, elle est agressive là, Déborah, c'est bien. Oula, ça par contre. C'est défendu. Quel bloc. Quel bloc de Déborah. C'est très bien ça par contre. Là, elle réinitialise le point. Par contre, Laura qui rejoue sur Lucille. Ouais. C'est magnifique. Hein. Elles se sont battues là sur ce point. Mais ça fait double break. 6-1, 3-0. 30 minutes de jeu. Il va falloir trouver vraiment les solutions. Je pense qu'elles devraient être plus patientes en volley-volley. Elles ont beaucoup de mal face à Charlotte et Lucille. Prendre leur temps du fond. Et par contre, à la volée, être beaucoup plus agressif, prendre des risques, frapper fort. Laura, elle est capable de le faire. Déborah aussi, d'ailleurs.
Alors qu'on voit arriver les joueurs pour le match suivant. Je vous rappelle, Johan Borona, Timéo Fontenay face à Max Moreau, Johan Bergeron. Ça va être de la bombe atomique. Est-ce que les jeunes peuvent créer l'exploit? Certains le pensent. Je pense que ça va être quand même très dur. Hein. Ça serait vraiment une marche énorme d'arriver à les battre. Mais pourquoi pas. Après, ça vaut cher hein, ce match. Hein. Quart de finale du championnat de France pour aller en demi. Pour aller affronter en plus, on va dire du côté peut-être un peu plus ouvert. Bien servi de la part de Lucille. Et bien sûr, Clément qui dit oui, ils vont le faire. J'espère déjà que ça va être un match spectaculaire. Avec du grand paddle. Après, voilà, que le meilleur gagne. Si les jeunes sont meilleurs, qui gagne? Si Max et Johan font respecter la logique, ça sera que partie remise, peut-être. Ouais, comme quoi, hein, voilà. Elle gagne les points en allant à la bagarre, à la volée-volée. Et Lucille, elle suit pas. Elle suit pas sa très bonne barada. Et 15-42 balles de break. Deux balles de débreak. Ouf, belle marge de sécurité, 1 mm. Première balle de débreak effacée. Alors que sur l'autre piste, on est à 5-2. Jessica Gigné. Et Carla Touli. Ouh là là, grosse faute là, de petit moment de déconcentration dans ce jeu. Trois jeux à un. Ah, elles étaient dos au mur, elles ont très bien réagi maintenant. Il va falloir gagner leur service. Elles ne l'ont fait qu'une fois depuis le début du match. Elle est dedans. Et non, très beau par 3. Très beau ce match de la part de Laura Buteau. Bien enroulé. Elles sont en train de renverser la tendance, mais... Je trouve que Charlotte et Lucille sont un peu descendues en intensité. Et comme quoi, hein, c'est vraiment les vases communicants tout de suite. Laura et Déborah qui en profitent, qui font moins de fautes aussi. Un peu moins active là sur les jambes. Charlotte, c'est rare hein, pour elle. Complètement boisé là, ça vibora. Attention, hein, ça va ressortir. Ouais, je sais pas si elle devrait être si collée là. Il joue juste derrière, Johan et Timéo, pardon. Et les Portugais sont là pour supporter Laura qui s'entraîne au Portugal. C'est bien ça, Laura. Agressive, Déborah, pardon.
défense. Oh, c'est très bien joué. Il faut la déposer derrière. Quel échange là. Plus bel échange depuis le début de ce match. Oh, il est beau ce lob. Oh, petit coup de chance, bien défendu. Quel échange. Oh, c'est dommage, Déborah qui rate. Oh, elle s'est battue là-dessus, Déborah. C'est bien, c'est très bien joué. Et Lucille qui change de zone et malheureusement qui se fait punir. Magnifique, hein, ce petit passing de Déborah. 3-2, il n'y a plus qu'un break. Et vraiment, j'aurais pas misé là-dessus, mais elles ont réussi à trouver les solutions. Elles ont été un peu plus constantes. Et bien sûr, Maxime, on va refaire le programme. Le programme, il est très simple. Après ce match, on aura deux quarts de finale masculin. Tout d'abord, Timéo Fontenay, Johan Borona. Les jeunes, les pépites, l'avenir de l'équipe de France de padel qui va affronter Maxime Moreau et Joanne Bergeron. Deux réguliers de l'équipe de France, deux vétérans, deux... j'allais pas dire ancêtres quand même, mais deux... deux joueurs qui ont énormément de sélections en équipe de France, qui faisaient partie de l'équipe médaillée de bronze au championnat du monde l'année dernière, qui ont fait partie de l'équipe cette année aussi au championnat d'Europe. Ensuite, on aura Pierre Vincent et Arthur Hugounin, qu'on a vu hier battre Nicolas Rouanet et Norman Sanchez, face à Joanne Bergeron, il ne jouera pas deux matchs d'affilée. Bastien Blanquet et Thomas Legge, les doubles champions de France en titre, qui jouent ici pour aller chercher leur troisième titre d'affilée. Et ensuite, demi-finale dames, donc la demi-finale dames du haut du tableau, demi-finale dames du bas du tableau, et ensuite demi-finale messieurs. 7 matchs au programme, un programme dantesque. Restez bien avec nous toute la journée sur Padelmag TV. Vous allez voir du padel de haut niveau. On en saura un peu plus sur la succession de Bastien Blanquet et de Thomas Legge chez les garçons et d'Alix Colombon et Léa Godalier chez les filles. Léa Godalier, Alix Colombon, 3 fois championne de France en titre. Alix, 6 fois avec les 3 titres qu'elle avait eu avec Jessica Gigné. Voilà pour les présentations de la journée. Ah, il vaut cher ce jeu. Ça c'est pour moi. Et non, je ne l'ai pas attrapé. Je vais la renvoyer quand même. Belle performance. Non, Maxime, 14h l'écart. Non, l'écart s'enchaîne et les demi-finales commenceront pas avant 12h30. Voilà. L'écart ce matin, les demi cet après-midi. 12h30 la première. Bon, ça c'est très bien tapé. Hein. Ça, c'est du très très haut niveau. Et 40-0. Bien
Bien joué de la part de Laura. Tombe dans les pieds de Charlotte. Quoi qu'il arrive, hein, si vous voulez tout le programme, les résultats, les tableaux, vous cliquez sur le lien en haut du chat, le post épinglé de Padel Magazine, comme à chaque tournoi. Quoi qu'il arrive, hein, si vous cherchez une info, vous allez sur Padel Mag et vous aurez tous les renseignements que vous cherchez. Malheureusement, sur cette faute de Déborah, ça fait 4-2. Enfin, malheureusement pour elle. Hein. Les Lyonnais et les Toulousains sont très contents devant leur écran de voir Charlotte et Lucille garder un break. Ils en ont perdu un tout à l'heure. C'est magnifique. Magnifique. Déborah là dans sa position un peu avancée qui se fait croquer. Ouf, grosse faute là, elle veut aller chercher trop difficile. Attention, gros danger. Elle est dehors, non? Quel blocage! Oh, Lucille qui est derrière encore. Oh là là, quelle défense de Lucille Potier qui fait craquer Déborah Alquier. Alors qu'on a le blessé d'hier, le voilà, Monsieur Pichon. Ça va? Et toi? Ouais, encore une contre-vite très bien défendue. Aïe, 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 grosse faute. Et oui, il y a de l'effet quand on fait une contre-vite comme ça. 5-2, elles reprennent leur double break. 6-1, 5-2. 43 minutes de jeu. Est-ce qu'il reste un peu d'espoir du côté de Déborah et Laura? Elles ont déjà breaké une fois. Mais là, ça va être très très compliqué. Et ensuite, on aura, pas avant 10h, le premier quart masculin. 6-2-1 partout. Jessica et Carla sur l'autre piste que vous pouvez suivre. Vous pourrez suivre aussi les deux quarts de finale masculins qui vont s'enchaîner. Donc en plus de celui sur le central, on aura Maxime Forcin, Dylan Guichard opposé à Dorian Demeyer et Thomas Van Bosse. L'équipe reformée, très bel article sur Padel Mag, très belle interview des deux que vous retrouvez aussi sur le site. Qui vont s'affronter sur la piste 5, donc la deuxième piste filmée. Et ensuite, on aura sur la deuxième piste filmée Julien Serin, Adrien Maigret, Nathan Courin, Thomas Seux, le quart de finale le moins attendu, on va dire. Lucille Potier prend les balles pour servir. Pour aller se qualifier en demi-finale. Peut-être aller jouer son ancienne partenaire, Jessica Gignier. Avec qui elles avaient fait un match dantesque l'année dernière contre... Superbe défense, hein. Très très bon lob, celui-là il ressort pas beaucoup. Ouais, c'est bien joué. Zéro.
Contact de raquette, qu'est-ce qu'elle est belle cette Bandera. Qu'est-ce qu'elle est belle, magnifique. Zone centrale. Pour donner 3 balles de match. C'est fini, c'est terminé, jeu 7 et match. Charlotte Soubrier et Lucille Potier seront au rendez-vous des demi-finales. Elles joueront la première demi-finale ce soir, enfin cet après-midi, en début d'après-midi, pas avant 12h30. Qualification pour les demi, elles affronteront soit Jessica Gignier, Jessica Gignier et Carla Touli, soit Louise Bahurel et Camille Sirex. Elles sont en train de jouer et il y a 6-2 pour Jessica Gignier et Carla Touli et 2-1 Bahurel Sirex. Vous pouvez le suivre sur l'autre piste. Maintenant on va passer aux messieurs avec un très très gros match à suivre, pas avant 10h, donc dans 7 minutes. On va vous mettre les stats de cette rencontre. Un match quand même tout à l'avantage est-ce qu'on peut avoir un mot de Yannick Morel peut-être? Viens dire un mot. Ah, il va venir dire un mot. Ok. Après le match alors. Et nous on va avoir sûrement Lucille et Charlotte. Lucille et Charlotte qui vont venir dire un mot. Allez, on va avoir Charlotte et Lucille, première qualifiée pour ces demi-finales.